Bonjour, bienvenue chez En Cabine les copines, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler shopping, craquage, car j'ai pas du tout été sage. Il y a eu une vente privée The Balm sur Beauté Privée. Comment ne pas craquer, comment rester sage? Si vous aimez bien passer du temps avec moi, il faut vous abonner à ma chaîne en bas. Vous devez avoir un petit lien marqué « Je m'abonne ». Alors abonne-toi En Cabine les copines. C'est parti, on parle de The Balm. The Balm, c'est quoi? C'est une marque super girly qui fait des produits de beauté. Donc c'est voilà, avec des pin-up. Comment ne pas être fan de ce genre de marque? C'est une marque qui fait des bons produits, mais qui sort du packaging classique de The MAC, par exemple. The MAC, par exemple. Tout ça, ce sont des bons produits aussi, mais là, on est vraiment sur du girly, sur du... ça fait plaisir, voilà. Et les produits sont super bien. Quand j'ai vu la vente privée, j'ai mis tellement de choses dans mon panier, je crois que j'en ai eu pour 115-120 euros. Et en plus, je suis restée sage. J'ai pas pris les accessoires, les pinceaux, les trucs. J'ai pris vraiment que le maquillage. J'ai eu une mauvaise conscience. Car en ce moment, je ne travaille pas pour m'occuper de ma fille, pour celles qui savent. J'ai annulé et j'ai refait la vente en prenant pour 50 euros. Et en prenant vraiment les produits qui me faisaient envie. Je vais tous vous les présenter. Également, on va parler de ma nouvelle crème de jour. Car j'ai changé ma routine peau. C'est une crème de chez Evo Dermatologie, Evo Laboratoire. Donc, c'est de l'eau thermale qui est hydratante, qui apaise. Parce que je sais pas vous, mais en ce moment, moi, la peau, elle tiraille quand je me lave. Donc, je sais pas si l'eau est plus dure, s'ils mettent plus de produits pour traiter avec des peurs d'attentat, etc. En tout cas, je trouve qu'elle a un goût bien dégueulasse de Javel, malheureusement, mais bon. Voilà, et il me fallait un soin qui ne plombe pas mon teint, qui ne fasse pas une peau toute grasse, mais qui m'hydrate, qui donne de l'éclat. Je pense que là, l'éclat, vous voyez que c'est plutôt le cas. Qui soit agréable à mettre, donc fluide, qui se fond bien. Voilà, et j'ai trouvé tout ça dans ce produit. Et voilà, elle coûte 12 euros. C'est devenu ma nouvelle chouchoute. J'ai des boutons sur le menton. J'ai misé sur ce produit, donc mes copines qui adorent le bio vont être fans. C'est un roll-on à base d'huiles essentielles, de tea tree, donc de lavande et d'autres trucs. Ça permet d'assécher les boutons, d'assécher, de désinfecter, de faire du bien à la peau sans voilà, utiliser des produits aux compositions étranges. Et ce produit, vous pouvez le mettre dans votre sac, donc vous pouvez faire votre petite retouche quand vous voulez, donc c'est très pratique. Les huiles essentielles, c'est bien, mais souvent le flacon, le dosage, on ne sait pas, et tout, là, tout est dans un produit comme ça, et on n'a plus qu'à tac, 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 l'appliquer. Donc c'est la marque Alto, et j'aime beaucoup ce produit, il est très efficace et ça évite les mains qui font des, voilà, vous avez compris, des ravages, c'est pas mal. Toujours de la marque Alto, je suis en ce moment sur ce produit qui est une huile de sésame bio. L'huile de sésame fait beaucoup de choses, elle peut faire des maquillants, elle nourrit la peau, elle nourrit aussi les cheveux. Donc je m'en sers en ce moment beaucoup sur mes longueurs. Je la mets le soir au niveau sous les yeux, parce que comme j'ai un bébé, je dors pas beaucoup et ça fait énormément de bien. Voilà, j'ai moins de cernes, je sais pas, mais en tout cas je trouve que j'ai l'air moins fatiguée. C'est parti. Donc c'est la Evoskin qui est hydratante et qui est super, vous allez voir, elle est très fluide, elle est très légère. On va commencer par mon produit chouchou. Vous m'avez déjà vu le porter, j'ai déjà même reçu des petits messages en me demandant quel est ton bronzer du moment. Donc c'est celui-ci. Ce que j'adore dans ce produit, c'est qu'il est pas du tout orangé. Donc je vous montre. On est sur un produit beaucoup plus marronné. Il est pratique, il y a un grand miroir, il est tout petit, donc on peut le prendre facilement sur soi. Il en faut qu'un tout petit peu, du coup c'est super. Le fameux rouge à lèvres que je porte beaucoup en ce moment, c'est un rouge à lèvres liquide mat. C'est le Charming. Attention, les yeux. Il faut le laisser sécher 15 secondes. Alors, si je mets des cheveux dedans, ben voilà. La couleur, c'est vraiment un vieux rose. Il est super. Quand j'ai fait ma vente privée, j'ai mis toutes les couleurs dans mon panier. C'est pour ça que j'en ai eu pour plus de 100 balles. Et après, je me suis dit, bon, tu en prends un, on ne sait pas ce que ça donne. Et je suis partie sur cette couleur. Je trouvais... c'est une des couleurs que j'achète très souvent, ce vieux rose. Il est super. Ben, vous voyez, il est trop beau. J'ai dû le payer 9 euros, entre 8 et 9 euros. Dès qu'il y a la prochaine vente, je pense que je vais l'acheter décliné en plein de couleurs. Il est super. Et il tient toute la journée, c'est-à-dire que je peux boire du café. Autre rouge à lèvres. Alors le nom, il est imprononçable. De chez The Balm, May Bill Speed. James Balm, voilà. Toujours la petite pin-up dessus.
Donc j'ai acheté un kit. En fait, la vente se faisait, donc il y avait plusieurs produits au détail, il y avait des kits et celui-ci faisait partie du kit. Parce que j'aurais peut-être pas pris cette couleur-là et en fait au final il est joli car il est discret et c'est un rouge à lèvres que je pourrais porter quand je veux faire du nude. Donc voilà la couleur. Je vais vous montrer le rendu. Tac. Donc c'est une autre couleur mais qui est très jolie. J'ai craqué pour un produit que je n'ai pas. C'est un illuminateur. C'est le Marilou Maniseur. Donc il est très connu. La couleur est très simple. Si on en met trop, on va faire boule à facettes. L'illuminateur, je suis vraiment en phase d'apprentissage pour l'utiliser. Donc je fais vraiment au coup par coup. Il faut en mettre sur les pommettes. Ça capte la lumière au-dessus de l'arc de la bouche, un peu sur le front et sur le coin du nez. C'est un peu chacun comme on veut. Si on en met trop, ben voilà. Mais le produit est super en soi. C'est un produit que je ne connaissais pas et j'aime bien. Donc on va le faire ensemble. Franchement, c'est pas mal, hein. J'ai craqué pour une palette pour les yeux, donc c'est Nude. Alors attention, vous allez voir comme c'est trop beau. Des pin-ups, c'est trop joli. Alors pourquoi j'ai craqué, vous allez tout de suite comprendre. Donc c'est des couleurs soi-disant nude, voilà. Ce que j'adore, c'est qu'on a du mat, on a de la paillette et on a de l'irisé, voilà. Donc ça veut dire qu'on peut s'amuser à faire le coin de l'œil en mat, là avec des paillettes comme ça quand tu ouvres les yeux, quand tu les fermes, ça fait cling cling cling. Et là, sur le côté, on a la couleur lumineuse qu'on peut aussi rajouter là. Donc c'est une palette qui est très complète. Le packaging est adorable. Un énorme miroir, donc ça c'est trop classe. Ce n'est pas de primer, généralement j'en mets systématiquement. Mais l'idée c'est de voir comment ça rend sans booster. Et voilà. C'est plutôt pas mal comme palette, ça fait bien. Donc je porte un bomber de chez Kukai qui est très mignon, tout simple. Avec les manches comme ça, et puis en cuir. Et en dessous, ce qui nous intéresse, c'est le fameux top que j'adore, qui est rose poudré, qui va à la perfection avec cette jupe en feutre de chez Pinky, qui est légèrement taille haute et qui est grise. Donc le rose et le gris, forcément, c'est un bon combo. Ce top vient de chez H&M, c'est la collection de l'année dernière. Du coup, vous ne le retrouverez pas en boutique. Je vais vous faire une sélection de tops dans cet esprit-là. Côté chaussures, vous avez mes bottes de chez Morgan, que j'adore. Qui s'ouvrent et qui se ferment par derrière et elles ne sont pas trop hautes. Donc elles sont top pour marcher, on a pas mal. Et voilà, c'est fini. Je vous dis à bientôt pour de prochains moments ensemble. Prenez soin de vous. Ciao !